Bonjour. 30 millions de Noirs américains sont descendants d'esclaves. Et bien parmi eux, certains sont des descendants des esclaves de George Washington. Et ça, c'est plutôt la classe. À l'âge de 11 ans, le jeune George hérite de son père de 10 esclaves, les premiers d'une grande collection, puisqu'il en avait plus d'une centaine à sa mort. Il faut dire que quand on a une grande propriété, avoir des esclaves, c'est très pratique. Dans sa plantation, George Washington cultivait du tabac. Et puis un jour, il s'est mis au cannabis, un marché beaucoup plus lucratif. Cela dit, Washington cultivait du chanvre, qui est du cannabis à faible dose de THC. Le THC étant la substance psychotique que les ados adorent. En primaire, c'est Pokémon, au collège, c'est Marie-Jeanne. Alors vous me direz, du cannabis sans THC, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à fabriquer des voiles et des cordages pour les bateaux. Et oui, avec le cannabis, tu planes ou tu navigues. George Washington a aussi cultivé du blé, non pas pour faire du pain, mais pour faire du whisky. Il a d'ailleurs été l'un des plus grands producteurs de whisky en Amérique. Aujourd'hui, aux États-Unis, George Washington est victime d'une cancel culture qui lui reproche son passé d'esclavagiste. Il a été trafiquant de drogue, trafiquant d'alcool, et on lui cherche des noises pour quelques noirs. Mais à l'époque, aux États-Unis, qui n'était pas encore d'ailleurs, tout le monde avait des esclaves. Enfin, pas tout le monde. Les esclaves n'avaient pas d'esclaves. Mais les Blancs, en tout cas ceux qui avaient réussi, avaient tous des esclaves. Tous. En France, on dit parfois qu'un homme qui a réussi a une Rolex. Si vous voulez mon avis, un esclave, c'est beaucoup plus utile qu'une Rolex. Sauf peut-être pour donner l'heure. Ou alors, il vous faut un esclave qui porte une Rolex. Et quand vous avez un esclave qui porte une Rolex, là, vous avez vraiment réussi dans la vie. Cela dit, aujourd'hui, avoir un esclave, c'est très compliqué. Surtout en France. Peut-être moins en Arabie Saoudite. Entendons-nous bien, l'esclavagisme, c'est mal. Mais il ne faut pas non plus jeter le bébé esclave avec le sang du bain. Nous devons beaucoup aux esclaves. La muraille de Chine, le Taj Mahal en Inde, le Colisée de Rome, magnifique. Merci, les esclaves. Aux États, qui entre-temps s'étaient unis, ce sont des esclaves qui ont construit la Maison Blanche. En France, le palais de l'Élysée n'a pas été construit par des esclaves, mais a été financé par Antoine Crozat, un respectable entrepreneur qui avait fait fortune en vendant dans le monde entier des hommes et des femmes de très bonne qualité. Et que dire des pyramides d'Égypte? Eh bien non, figurez-vous, les pyramides auraient été construites non pas par des esclaves, mais par des hommes libres, volontaires et payés. Des ouvriers qualifiés, comme ceux qui aujourd'hui construisent des stades de foot au Qatar. Et oui, comme quoi, pas la peine d'être un esclave pour avoir une vie de merde. Je ne doute pas que cette vidéo vous a élevé sur le plan culturel, et je pense que cela mérite un pouce en l'air et un commentaire. Un pouce en l'air et un commentaire. Merci et à bientôt.